Yo tout le monde, juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que c'est de l'humour, rien n'est à prendre au premier degré. Voilà, parce que tout simplement, je dis des choses, faut pas prendre ça au premier degré. Je le répète parce que je vous connais. Bref, voilà, j'espère que vous avez franchement, vous allez voir, cette vidéo, elle est assez drôle. En tout cas, moi ça m'a bien fait rire. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les gars, ça vous coûte absolument rien. À vous abonner à ma chaîne YouTube, Road to 40K. Voilà, voilà, n'oubliez pas bien sûr le petit code créateur Cocteau. C'est au QTO. Les gars, à 10 000 soutiens, comme vous le savez, je lirai tout le dictionnaire en live. Voilà, hop là, comme un petit livre, le dictionnaire. À 10 000 soutiens. Sachez surtout que c'est pour me soutenir quand vous mettez le petit code créateur Cocteau. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. C'était Cocteau. Dans le chat, s'il vous plaît. Non, non, s'il te plaît. Dans le chat, s'il vous plaît. J'ai envie de te mute. J'ai envie de te mute. Ah, mec, non, mais. Non, non, mais pas. Tu connais Voz? Qui? Voz. Non. Ah, bon. Oui. Elle est pas un peu chiante, elle? Oui, avec sa voix, là. Avec sa voix, ah, sa voix, elle est insupportable, on est d'accord, mec. Une tête à claque, en plus. Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. On prie vidéo de quoi? Allô, mec, allô. Allô. Hello, hello. Oh! Ah, ouais, quoi? Pourquoi tu parlais pas? Je sais pas. T'as quel âge? 12 ans. T'as un mioche. Tu regardes Neo The One sur YouTube? Non, je parle pas leur voix. Tu regardes qui toi? Je sais pas, genre des youtubeurs Fortnite. Tu regardes qui comme youtubeur Fortnite? Tixi, Gotaga. Oh, enfin. Tixi, c'est un bon pote à moi. Hein. C'est drôle. Ah. C'est vrai? Ah, je suis streamer, mec. Hein. On se connaît tous. Hein. Là, il m'a. Là, le 5 juin, je vais à la. Je sais pas si tu connais. Tu sais, la gaming house, là. À Marseille, là. Mm-hmm. Oui. Bah oui, mais c'est là-bas où il travaille. En gros, c'est. Avec Tommy, Mushu et tout ça, il travaille là-bas, quoi. Mm. Du coup, En vrai, tu l'aimes vraiment tant que ça, Tixi? Ça va. Tu sais, je peux te ramener une photo si tu veux, je t'enverrai ça sur. T'as Twitter? Non, Insta aussi. Ah, sur Insta si tu veux. Tu connais le bouseux? Bah oui, pardon. Il est super sympa lui. Hein. Ça va. Tu connais Voz? Qui? Voz. Non. Ah bon. Oui. Elle est pas un peu chiante elle? Oui, avec sa voix là. Avec sa voix, ah, sa voix elle est insupportable, on est d'accord mec. Une tête à claque en plus. Mais elle monte pas sa tête, Vaz. Si, sur les photos. Ah ouais, tu la trouves pas belle, toi? Non, elle est moche. Tu la trouves pas super mignonne? Non, pas du tout. On te pose des questions chelou. Hein, est-ce que les gars, on peut me kiffer ça? Je vais lui envoyer à Vaz. On peut me kiffer ça, les gars, et je l'enverrai ça à Vaz. En vrai, moi, je la trouve à son petit charme, non? Moi, j'ai pas jugé. Hein. Pourquoi tu te retrouves pas belle, Vaz? Je sais pas. C'est quoi que t'aimes pas? Je sais pas. Mais tu fais les vidéos sur YouTube aussi, parce que sur Snap ou pas? Ouais, sur YouTube, ouais, un petit peu YouTube un peu. Ouais. C'est quoi, c'est Cocteau là? Ouais, Cocteau. C'est vrai qu'il peut me kipper ça, mais regarde le chat, je l'enverrai. C'est vraiment toi, si je fais top 1, cette meuf me fait une saison des. Me fait une session d'ASMR. Bah ouais, mec, elle m'a fait une petite session d'ASMR, la meuf là. Mais là, t'es vraiment en stream. Ah, je suis en. Ah, d'accord, mais je fais des trucs sans moi, je sais pas où t'es, mais bref, c'est pareil. Je peux pas parler. Du coup, t'aimes le faux bruiteur? Non, non, je supporte. Tu sais que je l'ai quand même mis. Allez, sympa, hein. C'est un bon poteau, hein. Ouais, il fait de bonnes vidéos, mais. Voilà. Ah ouais? Mais tu vois, je préfère regarder No The One et Swan The Voice que le faux bruiteur. Ah ouais, tu préfères regarder Swan The Voice que le faux bruiteur? Bah, honnêtement, oui. Ah ouais, tant que ça? Oui. Brr, brr, dans le chat, s'il vous plaît. Non, non, s'il te plaît. Brr,
Bleu dans le chat, s'il vous plaît. J'ai envie de te mute, j'ai envie de te mute. Ah mec, non mais... Non, mais pas. Juste imiter LFB. Il est sympa, oui, LFB. En vrai, LFB, il est sympa comme tout, hein. Genre c'est un mec pas, il est pas méchant. Hein. Peut-être je peux dire s'il est sympa ou pas. Ouais, moi, c'est que j'ai joué avec lui, il m'a aidé sur Twitch. Tout. Au tout début de YouTube et Twitch, il m'avait un petit peu aidé. Hein. Mec sympa comme tout. Y'a qui comme neuf sur YouTube là que t'aimes bien regarder? Willow Class, Melly. Willow Class? C'est ouais. Quoi ça? C'est une meuf qui fait des vidéos avec TK et tout. Ouais, TK. TK, t'aimes bien TK toi? Ouais. C'est un raid. Mec, le footballeur. T'as vu, et tu fais le ramadan ou pas toi? Non, je suis français. Et alors, tu peux très bien faire le ramadan et être français, hein? Mais à mon âge, quand même. Bah, mec, hein. T'es en quelle classe, là? Sixième. Sixième? Ça va. Oh, c'est bien le collège ou pas? C'est mieux que l'école primaire, non? Ouais. Ah ouais. En plus, y'a plus de maths et tout, en plus. Ouais, enfin... Ouais. Oui, voilà, quoi. T'es un peu jeune encore, peut-être. Ouais, voilà. Moi, tu vois, j'ai 19 ans, j'ai toujours pas trouvé, toujours pas trouvé de femme, tu vois. Ah, c'est grave, non enfin... Oh, c'est grave, tu sais, hein. Tu vois qui c'est Payams? Bah, Payams, il a 28 ans et ouais. Lui, pareil, hein. Payams, sauf qu'il a 28. Bah, Boss, pareil aussi, hein. Pour la 25, et... c'est pas la gloire, quoi. Et c'est pas la gloire niveau amour, mec. Hein. T'avais pas des petits conseils de séduction? Bah honnêtement je suis encore jamais sorti avec une meuf comme... Ouais c'est pas... tu loupes pas grand chose hein. Franchement mec, je te cassais les couilles. Bah non mais surtout en mon âge. Ah oh ouais vas-y vas-y pour... J'aime dire y'a pas d'âge mais... Comme... Ouais. Moi aussi. Moi j'attends 40 ans avant d'avoir ma première copine je pense. 40 ans c'est le bon âge tu vois. 40 ans, comme ça tu te mets bien à niveau pépette. Comme ça je peux profiter de ma célébrité tu vois un petit peu. Attends. Il réfléchit pas ce qu'il dit, c'est trop bien. En vrai quand t'es jeune c'est tellement bien les gens, genre tu sais ce qu'il dit c'est que c'est vrai tu sais. Alors que tu parles avec un mec de... un mec un peu plus âgé bah il va tout, enfin il va mentir et tout, un mec comme ça tu peux être sûr il dit la vérité. Hein. Là il me dit t'as un gros... Dernière vidéo c'était bien ce germe pro m'a fait un beau top 1 sur Fortnite. Ah c'était fateux. On était en vocal avec Payams. Tu vois qui c'est Payams ou pas? C'est un... Tu vois qui c'est ou pas? Oui. Tu sais c'est le mec qui est un peu sus Xavier et tout là. Pour ceux qui comprennent pas je le connais. Oui c'est vraiment toi. De quoi? C'était une belle moi. Ah mais c'est les petits Xip, il a joué lui avec... Ah mais il y a des mecs. T'es trop fort mec. J'ai ça. Bah je fais qu'une kill hein. T'as combien d'abonnés sur Twitch? Bientôt 20k hein, bientôt 20k, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs les gars. Hein. Bientôt 20k mec. Hein. Oh là là. Ça va, ça va mec hein. Par contre ils font pas de dons, hein. Moi c'est des gros. Ah moi mes radins, mes viewers c'est des gros radins. Hein. Un sixième insulte voz. Ah non. Un sixième insulte Ouais insulte voz, ouais j'avoue. Je le défends, vas-y, je le défends. Vas-y les gars, ah ouais, un sixième insulte Voz. Je la défends. Oh ouais. Oh ça c'est bon titre ça. Est-ce qu'il y en a qui peut me réécrire ça le titre? Je vais le screen. Mais t'es un... Hey, t'es trop fort mec. Non moi je la connais, elle est sympa. Elle est full sympa hein. Bon elle dit que je suis un gros con mais bon ça veut dire qu'elle m'aime non? Bah logiquement non, ça veut plus dire que clairement t'es un gros con je pense. Non, non mais je pense qu'elle dit ça pour rigoler je pense. C'est un genre un... Tu vois elle me séduit avec le contraire tu vois. En mode ah oh, t'es un gros con mais voilà. C'est un peu un acronyme. Je sais pas ce que c'est un acronyme. Je sais pas ce que c'est un acronyme. Ok Google, qu'est-ce qu'un acronyme? Ça
Selon Wikipédia, un acronyme est un mot formé des initiales ou des éléments initiaux de plusieurs mots, éventuellement composés et se prononçant comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Ah, c'était pas du tout ça, mec. En même temps, fallait pas trop gaspiller la zone. Mais ouais, je pense que c'est un genre, c'est pour me dire, ouais, je t'aime pas, mais en fait. Ouais, j'espère. Hein. Ah, je pense que c'est une définition. Je sais pas, moi, après, je dis ça comme ça, mais. Je sais pas si elle te dit que t'es un gros con, c'est clairement, je pense. Mais... Je sais pas, moi. Non, mais vraiment, elle me dit souvent ça, elle me dit souvent, genre, t'es un gros con. Bon, je pense qu'elle le pense sincèrement. Tu penses vraiment qu'elle le pense? Non, en vrai. Je peux pas dire si je te connais pas. Enfin, j'ai eu une vidéo de toi, c'est tout, mais. Genre en vrai ça me ferait mal au cœur hein. Genre en vrai moi je tiens beaucoup à elle hein. Ah c'est mignon. C'est trop drôle mec. Ah pour ceux qui comprennent pas les gars c'est une blague hein. Boss ça reste quand même une grosse chouin. Ouf. Ouf. T'as un code créateur toi? Bien évidemment mec hein. C'est au QTO hein, si jamais tu veux mettre. J'arrive pas à me créer un compte, putain. Vas-y, hein. Vas-y, bah nickel. Hein. Ce top 1 il est pour Voz. Mais c'est le boss par là. Vas-y, vas-y, à plus. Déjà, toi. Vas-y, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était de l'humour. Hein. Bon, après lui, je sais pas s'il pensait vraiment. Il pense que moi, en tout cas, c'est de l'humour. Bref, cette vidéo vous a plu. Un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner. Mmh. Le code créateur Cocteau, comme il l'a dit.